Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui après une petite pause pour ma part de 3 semaines il me semble. Je suis partie en vacances 2 semaines et je n'ai pas filmé en rentrant. Donc oui voilà c'est ça, ça fait 3 semaines. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, que pour ceux et celles qui sont partis, que vous avez passé de bonnes vacances ou même ceux qui sont restés, que vous avez bien profité de vos vacances. Écoutez, moi les vacances hein, se sont très très bien passées. On a passé 2 semaines à ne faire que dormir. C'était quelque chose hein, cette année. D'habitude en vacances on bouge tout le temps. Enfin, un jour on reste au camping, le lendemain on va se balader un peu dans les environs. Là on a fait pratiquement que piscine, transat, plage, piscine, transat, plage, et on dort le soir. Voilà, ça n'a ressemblé absolument qu'à ça. Bon, resto, etc. Voilà, mais que de la farniente, vraiment. Et ça nous a fait un bien fou. On est revenu reposé, ressourcé, en ayant eu notre dose de vitamine D. Heureusement qu'on est parti parce que on a eu des nouvelles hein, de la famille, des amis. Pendant la période où nous on est parti en vacances, chez nous il a fait un temps. Alors comme dit ma belle-mère, c'était la Toussaint. Voilà. C'était un temps d'automne hyper déprimant. Voilà. Donc bon bah écoutez, nous on a eu que du soleil et du vent un petit peu aussi, mais bon, ça a même cassé notre tonnelle. Voilà. Bon, après, c'était pas grave du tout. Hein. On a eu vraiment, vraiment beaucoup de chance. On a eu que du soleil, que du chaud. Voilà. Bref. Bon, mais écoutez, je reviens aujourd'hui avec ma voix de pas très réveillée. Ça fait pas très longtemps que je me suis levée. Mais il faut que je vous absolument je tourne la vidéo. En plus, je pense qu'elle va être un petit peu longue parce que j'ai rien préparé. Je sais pas trop d'où j'en suis. Bon, bref, on va voir ça ensemble. Bon, en tout cas, pour tous les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de deux petites filles qui ont 7 et 10 ans. Je suis en couple. Nous sommes tous les deux propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un prêt bancaire. Alors moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, a son entreprise, son restaurant. Voilà. Nous avons commencé les enveloppes budgétaires depuis un peu plus d'un an et demi pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables. Également, on voulait anticiper nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner à long terme pour investir dans l'immobilier. Tout ça dans le but de préparer notre retraite. Bon, ça c'est un objectif qui est loin d'être mis en route, mais bon, bah écoutez, enfin, il faudrait que je fasse le point là-dessus, parce qu'en fin de compte, ça devait être mon prochain objectif. Je devais terminer mon fonds de secours pour pouvoir commencer à épargner pour l'investissement immobilier. Simplement, entre deux, je me suis rendu compte qu'il va falloir plutôt épargner pour les études de nos filles. Bon, donc du coup, il faut que je fasse un peu le point là-dessus. Et voilà, je ne sais pas trop comment amorcer tout ça. Bon, bref. En tout cas, le but final sera effectivement d'épargner dans l'immobilier, pour sûr. Bon, et bien écoutez. Il n'y a pas de papotage aujourd'hui, hein. On va rentrer directement dans le sujet. Je vais vous papoter un petit peu hein, pendant que je fais mes petits trucs. C'est une vidéo qui n'est pas préparée, j'ai pas pris de notes, rien du tout. Donc bah, écoutez, ça va venir comme ça vient. Alors, semaine 1 et semaine 2 du mois d'août, j'étais partie en vacances. Donc je n'avais pas budgétisé ces 2 semaines-là dans mes petits classeurs habituels. J'avais pris l'argent qui me restait de mon budget vacances. Tac, puisque moi je provisionne tous les mois une somme pour nos vacances. Et cette année, cette somme était de. Est-ce que je vais par là? Vacances. Tac. J'avais au total 2000 euros pour les vacances. On avait déjà dépensé énormément pour la réservation. On avait dépensé combien? 1459,30 €. Donc, ce qui fait qu'il restait
un petit peu plus de 500 euros. Ben voilà, 540,70 € il restait. Donc ça nous a servi à payer le carburant et le péage. Voilà, et tout a été dépensé, hein. Il doit rester 20 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, tout a servi. Bon, ça, en général, c'est ça, hein. Carburant et péage, pour descendre dans le sud, c'est à peu près ce que ça nous coûte, 250 euros pour descendre, 250 pour remonter. Voilà. D'ailleurs, donc où nous avions la voiture de ma belle-mère, eh bien, génial. C'était un vrai plaisir de la conduire. En plus, c'est une boîte auto, elle a beaucoup de chevaux, donc ce qui fait clairement qu'elle n'avait pas de mal à... Elle avait pas de mal à... Enfin, la voiture n'avait pas de mal à tirer la remorque. Ça, c'était hyper agréable. Et ouais, en faisant 9 heures de route, bon, voilà. Après avoir... À part avoir un peu mal aux fesses parce que les sièges sont un peu durs, autrement, c'était hyper confort. Donc, on était très contents qu'elle nous l'ait prêté. En échange, on lui avait prêté notre voiture à nous, qui est une vieille Dacia, une Logan, là. Bon, alors, elle n'a pas eu tout le confort. Hein. Il a fallu qu'elle revienne à une boîte manuelle, une boîte de vitesse manuelle. Bon, voilà, c'était un peu moins drôle pour elle. La pauvre. Bon, elle n'est pas beaucoup sortie, je crois. Mais bon. En tout cas, voilà, elle nous a vachement bien dépanné sur ce coup-là. Donc, encore merci à elle. Bon, elle regarde pour les vidéos, hein. Évidemment, elle n'est pas du tout au courant, mais on était très contents qu'elle nous dépanne. Voilà. Alors après, j'avais quoi encore pour les vacances? J'avais, juste pour revenir un peu là-dessus. Ah oui, j'avais pris, voilà. J'avais pris. Où est-ce que c'est? Attends. Mes défis de 5 euros. Celui que j'avais terminé et celui qui était en cours. Alors, ça peut représenter combien normalement? Celui qui était en cours. Tac. Ça représentait 150 euros et. J'avais 250 euros de mon ancien défi clôturé. Donc, j'avais 400 euros. En billet de 5 euros. Donc, dans le sud, je vous ai tout redonné, hein, dans le sud. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Vous allez en rechoper des billets de 5. 400 euros. Et nous avons absolument tout dépensé jusqu'au dernier centime. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Ça sert à ça aussi, les vacances. Hein. Moi, je pensais que j'allais revenir. Il allait me rester un peu de monnaie. J'allais vous faire une vidéo que j'allais remettre dans mes défis, etc. Rien du tout, hein. Il ne reste absolument rien. Bref, aucune culpabilité, aucun remords. Ça sert à être dépensé, on en a vachement profité, on a passé de très bonnes vacances, donc tant mieux, c'était le principal. Alors, c'est parti. Eh ben, je vais vider, attendez, je perds un peu mes réflexes. Tac. Donc voilà, les 2 premières semaines, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de budget alloué. Donc, on est parti là sur la troisième semaine du mois d'août qui, moi, correspond à ma première semaine budgétisée. On fait le bilan. Aujourd'hui, je n'ai pas bien rempli mes trackers. Alors ça, c'est pas bien du tout. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? C'est vraiment un foutoir, hein, par contre. Ça, c'est des tickets. Ok. Donc, ça, j'ai pas besoin de garder. Voilà. Alors, combien reste-t-il? Comment je vais organiser là? Ça. Je vais peut-être vous baisser un peu. Ouais. Alors, 10, 12, 14, 15. 15,50 €. 15,57 € il reste. Hop, je vais me le noter là pour me rappeler sur mon petit tracker. Voilà, il reste 15,57 € sur les 50 euros que j'y avais mis dans le budget course. Mini budget course parce que je vous le rappelle, mon mari tient un restaurant et je ne fais pas quasiment plus de courses. Nous mangeons les restes du restaurant. Ensuite, oh, c'était charmant ce que je viens de faire là, renifler. Bref, alors je remets 50 euros de course. Tout de suite. Alors,
2, 4 et 5. Il me reste bien 50 pour la dernière semaine du mois d'août. Hop. Alors, j'ai fait les fournitures scolaires entre deux avec les filles. Hein. J'avais un budget alloué hein, dans mes défis. Donc, on a commencé les fournitures scolaires. Normalement, on est bon jusqu'au cartable. Tout a été acheté. Le cartable, d'ailleurs, on m'avait donné la bonne astuce d'aller voir chez Carrefour. Hein. Parce qu'ils font des cartables amovibles avec des coques interchangeables. On peut rajouter les roulettes. L'idée est vachement bien. Simplement, lundi, quand je voulais y aller, eh bien, je n'ai pas pu. Parce que mon mari était parti avec la voiture. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule voiture. Je dis, c'est pas grave, on va prendre les vélos. Mais on venait de vacances, donc les vélos n'étaient pas prêts. Il manquait les pédales, etc. Bon, bah, j'ai dit, c'est pas grave, on va y aller à pied. Et à pied, à côté de chez moi, bah, c'est Bureau Vallée. Donc, bon, on était chez Bureau Vallée. J'ai acheté le... Zora a choisi son cartable. En plus, je suis contente parce que je ne voulais pas un sac à dos. L'année dernière, elle avait un sac à dos. Il était nul, nul, nul. C'était pas du tout adapté en fait, c'est un sac à dos de sport, c'était pas du tout pour l'école. Ça abîme les cahiers, ça abîme surtout son dos. Hein. Je sais même pas ce que j'évoque en premier, mais c'est ce à quoi je pense surtout. Ça abîme surtout son dos. Donc là, je l'avais orienté direct. Je lui avais dit, Zora, ce serait mieux que tu prennes un cartable. Ouais, c'est pour les bébés, gna gna gna. Bon, et puis finalement, arrivée chez Bureau Vallée, elle a vu un cartable qui lui plaisait, qui coûtait la peau du cul. Mais bon, écoutez, ça lui plaisait. J'espère qu'elle va le garder au moins 2 ans, celui-ci. Et j'en ai eu pour 40 euros, hein, quand même, du cartable. Mais bon, c'est comme ça. Il y en avait un qui était encore plus cher, il était à 80 euros. J'ai dit non, non, là, non, on va se calmer quand même. Voilà pour l'histoire. Ensuite, loisirs d'hiver. Alors, j'avais un bon budget, j'avais 90 euros. Parce que j'ai l'anniversaire de deux petits-neveux, là, dimanche. Donc, chacun va recevoir 20 euros de notre part. Donc, je vais tout de suite les enlever de ce budget-là. C'est pour ça que j'avais mis 90 euros. Hein. Vous voyez, les autres semaines, c'est 80. Hop, donc, je vais enlever directement 20 euros. Hop, ce sera pour leur anniversaire. J'ai acheté des petites cartes hein, chez Ziman. Tac. Ça coûte rien du tout en plus, ça coûte 69 centimes la carte. Elles sont trop mignonnes. Alors il y a Timio qui a fêté ses 1 an. Ah, donc on avait pensé, on a choisi avec les filles, ça va être le petit Zep pour lui. Et Gabriel qui a fêté ses 4 ans et a pris le petit singe parce que c'est un petit singe. Il arrête pas. Il est partout ce gamin-là. Ah, voilà, je vais leur mettre leur argent dans leur petite carte. Alors ce qui fait qu'il reste combien? Là j'ai 20. Je ne sais même plus hein, ce que j'ai acheté. Hein. Aucune idée. J'ai dû passer chez Action. Je sais plus du tout. Alors là, j'ai quoi? 22, 24, 26, 2, 4, 6, 7, 8, 26, 80, 26, 90. Désolé les oreilles. 26,90. Ça, ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais remettre 80 euros pour cette semaine. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 'En train de me demander ce que j'ai acheté. Je crois que j'ai rien acheté. Par contre, la dernière semaine, on a pas mal d'anniversaires. Il y a ma tata. Il y a deux de nos amis. Même si on s'offre une connerie, il faut quand même acheter un truc. Donc, je vais peut-être, à la fin de la semaine prochaine, je vais peut-être piquer un petit peu de ce budget-là, si j'ai pas trop dépensé, pour la dernière semaine où on a les trois anniversaires, parce que sinon, ça va être compliqué, je pense. Ok, donc là c'est bon pour celui-ci. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Carburant, 100 euros, tout a été dépensé parce qu'on a refait le plein sur la voiture de ma belle-mère. Nous on en a remis un petit peu dans la Logan. Voilà, donc il ne reste plus rien. Je peux même ne pas le noter. Je ne mets pas le détail, mais en tout cas il reste zéro.
Coiffeur, il reste toujours les 20 euros. Pharmacie, si ça, ça a bougé, combien reste-t-il? Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus. Une crème? Oh oui, ça doit être ça, j'étais m'acheter une crème hydratante. Il reste 3,10 €. Tac. Je vais me le noter quand même. Histoire d'être à peu près à jour sur les trackers. Je note pas le détail, c'est pas très grave. Vêtements, il reste toujours les 150 euros. Restaurant invité, il reste toujours les 100 euros. En gain, ben, il n'y a rien. Dans l'enveloppe 5 euros, il n'y a rien. Et ben ici, voilà, oui, voilà. Ça, faut que je les range. Du coup, c'était pour la rentrée des classes. Hop, j'avais pris l'enveloppe avec moi. Voilà, alors que normalement, ça doit être rangé dans ma pochette. Je ne sais plus laquelle. Non, c'est pas celle-là. Ah si, rentrée des classes, c'est ça. Non, attendez, je me suis plantée. Ça doit être là. École, voilà. Mais il est où? J'ai même pas fait le compte. Faudrait que je regarde combien il reste. Je sais même plus pour combien j'en ai eu. Ah si, j'ai des tickets là. Donc 40 euros de cartable. Après, c'est quoi? J'ai combien de tickets là-dedans? J'ai acheté un pyjama en flanelle là chez Zimans à 10 euros, ça ok. Et les fournitures scolaires, j'en ai eu pour 132,20 € pour les deux filles. Hein. Et là-dedans, il n'y avait pas les cartables. Hein. Les cartables, j'ai acheté à part. Ma fille aînée n'a pas besoin de cartable, elle a encore son sac qui est bon, elle est d'accord pour le garder. Donc, voilà. Il restera plus, entre guillemets, que les vêtements à acheter. D'ailleurs, j'ai vu que chez District Center, j'aimerais bien y aller ce matin, vite fait, avec ma fille. J'ai vu qu'ils faisaient une promo de jeans, un acheté, un offert. Non, pas du tout. Un acheté, le deuxième à moins 50. Et ma fille veut maintenant, vous savez, moi, elle a 10 ans, hein, elle veut les jeans très évasés, là, qui sont à la mode. Bon, pas de problème. Donc, j'ai vu qu'il y en avait en promo. On va peut-être aller faire un tour. Pourquoi je veux absolument ranger là? C'est terrible. Alors, c'est parti. Ça va ici. Voilà. Sachant que la planche rentrée des classes, donc qui faisait dans mon défi 300 euros, donc les 300 euros étaient ici. J'en ai dépensé déjà une bonne partie et que je suis en train d'en refaire une qui est ici. Ah ben, elle est terminée. J'ai 300 ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah oui, c'est bon. Donc c'est bon, mon deuxième défi de la rentrée des classes était terminé finalement. Eh bien écoutez, hop, je l'intègre ici. Et je vais noter sur mon tracker que j'ai encore ajouté 600 euros. Et après, je déduirai tous mes tickets, hein, parce que là, je vais plus savoir où est-ce que j'en suis. On est le combien? Je sais plus trop là, par contre. Le 19, je crois. Le 19 août, dépôt. Plus 300. Ok, donc on avait bien un budget de 300 chacune, soit 600 euros. Ça, c'est parfait. Donc maintenant que mon défi rentrée des classes est clôturé, je vais quand même recommencer ma planche pour le centre de loisirs des prochaines vacances, qui seront les vacances de la Toussaint. Oh, oh là là, ça fait mal ça, d'y penser. Hop, ça, mes trackers pour remplir. Ok, bon, alors ensuite, c'est comment dans l'ordre? Qu'est-ce que je fais d'habitude? Je remplis mes économies. Voilà, une belle page blanche. Bon, on va perdre un peu de temps. On va la remplir ensemble. J'ai pas mes stylos, j'ai rien. C'est cata, hein. Attendez, on va trouver ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà.
pas très loin finalement. Comment j'écris d'habitude? Économie, août. J'entends mes chippies qui sont en train de se réveiller là-haut. Août 2023. Oh, c'est pas joli. J'aurais dû attendre. Bon, bref. Donc, moi, je suis à semaine 3 directement. J'arrive pas à écrire comme ça. Il faut que j'écrive à moitié penché, moi, sinon. Je fais n'importe quoi. Donc, j'ai cours loisirs d'hiver et 5 euros. Donc, course, on a dit qu'il restait 15,57 €. Loisirs d'hiver, on a dit 26,90 €. Ben, c'est plutôt pas mal. Hop, et défi de 5 €, ouais, c'est ça. Eh bien là, il n'y en avait pas. Donc, ce qui nous fait un total de 7, 4, 1, 6 et 6, 12. Eh ben, c'est pas mal ça. 42,47 €. Parfait. Et comme j'aime le mettre en lumière, eh bien, je le surligne. Eh bien, écoutez, ça me va très très bien. C'est une bonne première semaine. Ah oui, aussi. Mon mari, du coup, je lui avais compté 770 € d'indemnisation, pardon, Pôle emploi. Finalement, il a eu 800, je sais plus combien. Donc, je vais avoir un petit peu de budget en plus. Alors, je sais pas, est-ce que je leur dispatche ici? Oh, sachant que j'en avais pas tellement besoin. Quoique dans le carburant, peut-être. Ou soit je le mets directement dans les défis. Je vais y réfléchir la semaine prochaine et puis je vous en reparle le week-end prochain. Voilà. Ça, je peux mettre de côté. Je les remettrai à jour tout à l'heure. Ça c'est prêt. Bon, eh bien écoutez, on va ranger nos petits défis. Tous ces petits billets qu'on a ici. Ah ouais, j'ai pas mal de pièces finalement. Mais c'est bien, ça va faire monter un peu le défi. Des centimes, parfait. Eh bien écoutez, je vais prendre ma calculatrice pour pas que ce soit trop compliqué pour moi. Alors, j'ai 2. 4, 6, 8, 10, 11, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai 12, 12,30 €, 12,40 €, 4, 12,47 €. Ok, cool. Est-ce que je les rends direct? Ça peut être bien. Merde. Bon, j'ai repris le travail du coup, moi. J'ai repris... alors, c'était férié mardi. Et j'ai repris mercredi. Mon mari a repris le restaurant. Et moi, j'ai repris mon travail à moi plus restaurant. Mercredi. On a fait une très bonne reprise. On est très contents de retrouver nos clients, de retrouver le restaurant. Voilà, et puis on fait un bon démarrage. Donc on est ravis. Hop. Et voilà. Alors j'ai dit 12,47 €. Et ben c'est parfait. Je vais déduire. Donc là j'en étais à 2,06 €. ,05 ,04 ,03 ,02 et 2,01. Et il reste 26 centimes qui sont là. Bon, mais c'est bien, ça avance bien, ça.
Puis en plus, là, forcément, ça va aller de plus en plus vite vu que les sommes sont de plus en plus petites. Un défi qui n'a toujours pas de but. Donc là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas du tout. Et il aura. C'est de l'argent qui servira, évidemment. Mais je ne sais pas si je m'en sers pour un objectif en particulier ou bien si c'est de l'argent que je vais récupérer et dispatcher dans mes défis comme ça. Je ne sais pas du tout. Bon, bref, en tout cas, il n'est pas terminé. Hein. On a encore le temps, hein, de le voir arriver. Donc, j'ai le temps d'y réfléchir. Voilà. Alors, défi 5 euros. Eh ben, il n'y en a pas. J'ai pas de billet de 5. Et en plus de ça, eh bien, il est vide. Je ne l'ai pas terminé, celui-ci. C'est rare que je n'aille pas au bout de mes défis. Mais bon, bah là. Là, tant pis, c'était pour les vacances. Hein. Allez, je le remets à zéro. Alors, on est à peine rentré, hein, qu'on parle déjà de repartir en week-end. Donc, il va falloir en remettre de côté, hein, là, je vous le dis. Hein. Bon, bref. Donc, celui-ci, il est terminé. Et on va le recommencer. Tac, ce sera plus rentrée des classes. Ce sera bien centre de loisirs. Et on va le recommencer. Alors, attention. Il me semble aussi qu'il me restait de l'argent du centre de loisirs de cet été. Je vais vérifier tout de suite d'ailleurs. C'était dans le centre, ici. Alors, qu'est-ce qu'il me restait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 70 euros. Alors, je ne sais pas. Est-ce que je les note déjà ici? Ou est-ce que je le refais entièrement? Et ça, ce sera toujours un surplus. Je sais pas du tout. Bon, je pense que je vais les laisser dans ma petite pochette. Je vais pas les compter. Et je vais voir si arrivé à la Toussaint, effectivement, si je suis pas arrivée aux 300 euros, je me servirai de ces 70 là qui restent ici pour le compléter. Ça peut être une solution aussi. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Il y a l'anniversaire de Zora au mois d'octobre. Donc là, il reste 30 euros à y mettre. Week-end, donc ça sera pour week-end, mais entre amis. Je pense que nous, week-end à nous, avec mon mari, là, ce qu'on veut faire, ce sera plutôt un défi de 5 euros. Là, je me concentre sur le week-end avec nos amis. Plutôt, donc ce ne sera pas tout de suite, ce sera genre l'année prochaine, un truc comme ça. Et sport d'hiver, donc là, non, clairement, je ne vais pas remplir là aujourd'hui, ça c'est certain. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je mets 10 euros partout? Ouais, on peut faire ça. J'en mets 10 euros dans centre de loisirs, école. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment pour le centre. Peut-être que je les mette. Ensuite, anniversaire de Zora. Bah, je vais remettre 10 euros. Comme ça, il sera presque terminé. Et oh bah allez, je vais mettre quand même 10 euros dans le week-end. Et puis voilà. Voilà. Je sais même pas. Faudrait peut-être que je fasse le point d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas des défis qu'il faut que je remette dans mon classeur là? Alors, sous mes planches. Qu'est-ce que j'ai? Alors ça, non, c'est quand je préparais mon budget, donc déstockage, ça a sauté, au passage aussi, carburant aussi, parce que maintenant c'est au mois. Saint-Valentin, donc ça c'est en février. Est-ce que je peux pas déjà commencer à l'intégrer? C'est dans 6 mois. Donc à raison de 10 euros par mois, par exemple, faudrait que je le mette celui-là. Anniversaire de Fanfan, donc ça il a eu lieu en juillet, hein. Donc ça je vais le recommencer mais plus tard l'année prochaine. Chambre, donc pour Zora c'est bon, il avait été jusqu'au bout des 1000 euros. Nous avec mon mari il faudrait qu'on refasse notre budget aussi pour notre chambre et ensuite ce sera au tour de Mila, notre fille aînée, d'avoir son budget chambre. Je le remets pas tout de suite, j'attends de voir un petit peu. Pâques, c'est pas tout de suite. Zumba, eh ben, j'ai toujours un budget qui me reste ici. D'ailleurs, j'en ai parlé avec mon mari. Je dis, j'aimerais vraiment beaucoup reprendre la Zumba le mercredi.
Il m'a dit, bah vas-y, vas-y, évidemment, vas-y. Mais bon, après, je culpabilise parce que je vais pas aller l'aider le soir au restaurant. Bon, bref. Il m'a dit, non, non, allez, t'y vas. Donc, je vais reprendre la Zumba, sachant qu'il me reste 45 € ici pour ma carte. Donc, je peux déjà reprendre tranquillement. Alors, il me restait de mon ancienne carte, il devait me rester genre 7 séances sur les 10. Simplement, il y a une date à respecter et j'ai dépassé cette date limite. Donc, je pense que mes 7 séances qui me restaient sont mortes. Bon, après, je vais essayer de négocier hein, comme avec la prof, hein, voir si elle peut pas faire un effort exceptionnel. Voilà, je vais lui expliquer un peu mon cas, hein, tant pis, hein, je vais faire ma Calimero, mais ça me fait chier quoi, de passer sur les 7 séances. Je vais essayer. Après, elle est cool. Ça faisait des années que je faisais de la Zumba. Bon, voilà, je suis quand même bonne élève. Bon. Camping. Camping, je ne vais pas la remettre tout de suite, mais ça, pour sûr, ça, je le ferai dans son entièreté. Parce que là où on était en vacances, donc je vous ai dit, il y avait énormément de vent pendant 3 jours, mais terrible. Hein. Donc nous, la tente, ça va parce qu'elle est. C'est pas des arceaux en dur, c'est des arceaux gonflables. Donc ça allait, ça n'a pas abîmé la tente. Par contre, notre tonnelle, qui était une pauvre tonnelle de dépannage là, de chez Jiffy, nous a vachement dépanné pendant des années. Et bah, du coup, là, les arceaux métalliques, paf, ils ont tous sauté. Donc la tonnelle était morte. Et on voulait en racheter une. C'était dans nos projets, mais pas du tout tout de suite. Donc là, ça a accéléré le truc. On s'est dit, bah ouais, chez Decat, il y en a une avec les arceaux gonflables, pareil. Par contre, elle est à 350 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, bon, on ne l'a pas acheté hein, cette année. Sincèrement, on allait le faire. Mon mari a été voir chez Decathlon, là, à côté où on était en vacances. On allait le faire. Et puis finalement, bah, il n'y était pas. Donc, j'ai dit, bon, non, laisse tomber. Il me dit, j'en prends une avec arceau, une tonnelle avec arceau. J'ai dit, non, non, certainement pas. Enfin, en métallique. J'ai dit, non, non, surtout pas. Donc, on a rebouiné une toile avec le bout de. Avec la toile qui restait sur la tonnelle. Donc, la structure a sauté. On l'a jetée. On a gardé la toile. On s'est fait un boui-boui. Enfin, vraiment, un con. On s'est fait un con, mais à l'arrache cette année, ça ne nous ressemble pas du tout, mais bon, on était très bien comme ça. Donc, ce qui fait que l'année prochaine, déjà, je sais que je vais avoir 350 € pour la tonnelle et voir si je peux pas mettre un peu plus pour acheter justement les matelas pour dormir pour nos filles ou alors des chaises. Voilà, bon, en tout cas, il faut que je le fasse en entier, ça c'est sûr. Granulé, non. Cheval, anniversaire, Noël, anniversaire, rentrée des classes. Là. Et là, c'est des vieux trucs. Camping, potager, anniversaire de mon mari, Zora, moi. Voilà. Non, bah écoutez, il n'y a pas plus de défis que ça à intégrer. Très bien, ça me va. Donc, je reste vraiment sur Saint-Valentin. Et il y en avait un autre, je me tâtais là. C'était lequel? C'était lequel? Est-ce ouais, chambre. Allez, si on peut l'amorcer aussi un petit peu. Bon, même si c'est pas grand-chose, mais au moins il sera un peu démarré. Allez, on va faire ça. Je mets ça où par contre? Parce que j'aime bien mettre dans l'ordre d'urgence, on va dire. Anniversaire de Zora. Week-end. Ben, je ferais bien comme ça. La Saint-Valentin qui vient après. Et vraiment en tout dernier. Ah, mais j'avais l'anniversaire de Mila qui était là. Donc on va faire comme ça. Donc, défi 5 €. Ça ne bouge pas. Centre de loisirs à refaire en priorité. L'anniversaire de Zora. Comme ça, il sera clôturé pour octobre. Août, septembre, octobre. Ouais, mine de rien, ça va venir. Week-end. Ok. Saint-Valentin ensuite. Sport d'hiver. Anniversaire de Mila. Et chambre. Ouais, c'est bon. L'ordre me convient. Bon, après, je suis pas prête hein, de remplir tout. Hein, mais bon, mais écoutez. Au moins, ça le mérite d'être là, en vue. Et ça ne demande qu'à être rempli. Voilà. Eh bien, écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de reprise. Avec ma voix du matin, etc. Un peu à l'arrache. Bon, bref. C'est pas très grave. La semaine prochaine, je pense qu'on va repartir sur des vidéos un petit peu plus structurées. Mais bon, après, ça change pas énormément. Hein. Je pense que pour vous, vous voyez pas trop la différence. Bref,
Eh bien, dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous l'avez aimé. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, une belle semaine. À bientôt.